Yoshi's Island, pas Yoshi's Story, évidemment. Mais... Où sommes-nous? Je sais pas. Alors, ça va bien, Esper, du coup? Ça va, et toi? Ouais, non, ça va très bien. Non, attends, il est où? Attends, il est où? Attends. Ah, oui, voilà. Attends, on va peut-être faire ça, quand même. C'est peut-être mieux pour redémarrer cette fois. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Donc, bon, on va pas rappeler, on est à RTA. Ici, on va vous montrer des trucs un peu bébêtes. Ouais, un peu stupides, même. Civil ici présent, Civil underscore 117. Ah, Civil 17. 17, ouais, sur Twitch, parce que c'est à cause d'OSS, vous voyez, ouais. Non, c'est quand on aime trop Jean du Jardin, il se passe des trucs un peu bizarres dans nos vies. C'est Super Mario à côté. Ouais, c'est vrai, regardez. Oh, c'est incroyable. Super Mario Zelda, hein, voilà. Mais super comme... Alors, ça on avait dit que c'était Super Mario 02, pas Super Gamer, voyons. Sinon, je vais encore devoir demander de l'argent à Ninist. Ah bah ça. Bref. Super Mario World 2 de Yoshi's Island, où on incarne pas finalement Mario, mais Yoshi. Mais Yoshi, donc voilà. Du coup, qui porte Mario bébé. Qui porte bébé Mario. Un préquel finalement de Super Mario World, que l'on va vous interpréter d'une manière que vous n'avez pas vue, hein, vous l'avez peut-être compris avec nos masques, etc. Pas tant avec nos casquettes, qu'on va jouer en blindfolded, c'est-à-dire les yeux bandés. Ok. On va essayer du moins. On va essayer. Donc vous allez voir plein de choses impressionnantes. On va faire que le monde 1 parce que faire tout le jeu vous prendrez tout prendra à peu près, ouais, 6 heures. Actuellement Katoon l'a fait en 9h il me semble. Ah, voilà, que 9h. Donc on n'a pas 9h devant nous. Non. On va le faire. Donc voilà, déjà prendre une petite heure, toute petite heure, vraiment 40 minutes pour pouvoir le faire. Quand t'es prêt en tout cas, on est parti. Ouais, on va croiser les doigts. Du coup, attends, je te dis hein, quand je suis. Bien sûr, tu me dis, c'est moi qui lance le timer et puis tu. T'es bien sûr le file 1. Ouais. Voilà. Ça je. Je suis bien sur Yoshi Island. Hein. C'est. Non, on est sur. Comment il s'appelle ce jeu? Alors, du coup, je joue à la manette. Voilà, juste pour info. Voilà. Donc, quand tu es prêt, tu me fais un petit décompte. 3, 2, 1, et puis on a. C'est on bon, alors, vous êtes prêts tous? C'est bon. 3, 2, 1, c'est parti! Elle t'aimera bien, c'est parfait. Donc, Yoshi's Island, c'est un petit jeu indé. Bien évidemment des studios Nintendo. C'est bon, voilà, c'est un jeu qui est pas du tout, qui est peut-être un peu moins apprécié que son préquel Super Mario World. Super Mario World qui a eu un énorme succès, que ce soit au Japon, en Europe, aux USA, dans les années 92, si je dis pas de bêtises, 90-92, si je dis pas de bêtises, 92 je pense même plus. Voilà, mais le préquel. Qui, on incarne Yoshi comme on l'a dit, et on va voir des choses impressionnantes de la part de Ciel, puisque il voit pas ce qu'il fait quoi. C'est un peu comme si vous étiez dans une grotte sombre. Donc le niveau voilà. Tuto au début, on va le skipper directement. Parce que on peut le skipper en appuyant Start et Select. Voilà. À savoir. Donc c'est un petit niveau qui t'apprend à jouer, et on arrive directement sur ce premier passage, sur le premier niveau, et vous allez voir, il va se déplacer tellement bien, on se demande comment il fait. Hein. Donc là il était censé toucher l'ennemi, c'est pas bien grave, mais il a un setup où en fait avec la musique il peut se repérer. Ah bah donc là il s'est fait toucher. On ne peut pas le guider malheureusement, c'est interdit. Ah voilà, il a récupéré, bien joué. Ça c'était pas mal du tout. Donc là il faut qu'il se repère maintenant, sur là où il est. Et il s'est retrouvé a priori. Parfait, donc ça c'est, si vous voulez, il sait que s'il se prend un dégât, de manière générale, ce qui va se passer avec bébé Mario, c'est qu'il va aller à gauche, puis il va revenir vers la droite. Donc là il récupère la fleur, c'est pour savoir où il se trouve, comme ça, ça lui permet d'éviter en fait, d'avoir en fait de toute façon un setup où il pourrait prendre une fleur par mes gardes, et où ça lui mettrait ce texte, parce qu'à chaque fois qu'il y a une première chose qui arrive dans le jeu, il se passe quelque chose, et là, setup parfaitement réalisé pour pouvoir tuer cet ennemi, ça s'est très très bien passé. Et donc là, on va se refill en œuf. Voilà, il a entendu le petit ploup, ploup, ploup. Voilà, comme quoi il est bien récupéré les œufs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il n'y a plus d'ennemis, enfin, dès qu'on ne peut plus récupérer plus de 6 œufs, eh bien, il n'y a plus d'ennemis qui spawnent de ces tuyaux. Ce qui permet de se dire, bah écoute, c'est cool. Hop là, voilà, on le voit, hein, il les chope, mais il les recrache. Et donc là, le petit setup, il a recraché l'ennemi directement dans la petite. Dans le petit nuage pour pouvoir tout simplement monter.
de manière tranquille. Donc là, c'est des sauts qui sont à peu près semi-normalisés, hein. C'est un peu ce qu'on appelle ça, semi-normalisés. Il se sert de la plante piranha là actuellement pour savoir où il est. Le plus dur, c'est de savoir s'il est monté ou pas. Donc là, il était pas confiant. Malheureusement. Pas de bol. Là, c'est la fin. Ça va être compliqué. Il était tout en haut. Et toi, j'étais ouais, tombé. Ouais, ouais, ouais. Je m'en doutais du coup qu'il est resté en haut, que moi je suis tombé en fait. Voilà, c'est ça. Bon, bah, on recommence, hein. Et on recommence, c'est reparti. Peut-être que les setups vont passer du premier coup cette fois-ci. Ah bah non. Ah bah non. Ah, il suffit que je parle pour jinxer le... On va recommencer, hein, je pense. On va recommencer la run. Donc c'est les aléas, hein, effectivement, de ce type de run. Le blindfolded, c'est très très dur. Donc on va laisser un petit peu se concentrer maintenant. Vous avez les bases. Encore ? Dommage. Mario est pas loin. Ah ! Bien joué ! Ce qui se passe, c'est tellement stressant, parce que je vais pas pouvoir lui dire ce qui se passe, parce que sinon bah ça casse l'idée du blindfolded. Mais d'un côté, c'est très impressionnant de voir à quel point on peut quand même, malgré tout, sans un des sens essentiels, hein, de la vie de tous les jours, pouvoir jouer à un jeu vidéo sans voir. Super. On tue la plante. Donc là, on utilise le flotteur de Yoshi qui est très très fort. Faut savoir que le flotteur de Yoshi permet, même si on le fait quasiment à la frame, de pouvoir gagner de la hauteur continuellement. En fait, on va beaucoup utiliser cette technique, on va maintenir le bouton saut. Comme ça, quand on va tomber d'un rebord, tomber d'un rebord, en fait, il va faire... Ah, j'ai oublié cette fleur. On va flotter. Ah. Parfait. On va flotter du coup et ça nous empêchera de tomber, voilà. Ça nous empêchera de tomber. On le verra surtout dans un des niveaux très importants qui est le niveau d'autoscroll. Un des niveaux d'autoscroll du jeu, puisqu'il y en a quelques-uns quand même. Oh non ! Alors il était perdu. Oh super, la récupération ici. Par contre, je sais plus où je suis, je pense que je suis... Là je tue la piranha, non ? Non. Et c'est le problème, c'est hein, de savoir où on se retrouve. Je sais où je suis, c'est bon. Ah enfin, voilà le passage qui passe. On va pouvoir l'applaudir là. Voilà, merci beaucoup pour lui, parce que c'est vrai que là ça commence à être. Voilà. Il le récupère quand même, parfait. Et fin du monde 1. Ok. Donc ça, c'était le premier niveau du beaucoup monde 1. Beaucoup d'aléas, on va essayer de faire mieux après. Voilà. C'est le stress de l'event, hein, allez. L'event live. C'est normal. Voilà. Appréciez le casou, hein, ça fait toujours plaisir. Le petit niveau 2. Watch out! Below! Donc, c'est un niveau où il y a des petits chomp-chompes qui font. Voilà, c'est essayer de vous casser la tronche. Voilà, le petit setup pour récupérer son bébé Mario. Sans problème. On attend le bon moment pour passer. Donc là on voit ce qu'il fait, c'est que quand il arrive en fait au sol, s'il appuie sur le bouton bas en fait, le jeu va le bloquer tout de suite, hein, et l'empêcher de se prendre des dégâts. Donc là, petit anneau qui lui permet de récupérer 10 points de vie, je crois. 10 oui, points, c'est ça, 10 secondes. Voilà, sur le timer en fait, quand... Parce qu'il n'y a pas vraiment de points de vie, enfin il y a des points de vie dans le jeu, mais ils sont comptabilisés comme des secondes. Ah, je l'ai pas. Ah non.
Et là, il sait pas où il est. Si, si, je sais où je suis, mais... Voilà. Quand il se rendra compte de ce qu'il a fait dans sa VOD plus tard, il se dira « Ah mais ouais, c'était ça qui s'est passé !» Et c'est ça qui est super drôle avec le Blindfolded, c'est que on se dit, on pense savoir ce qui se passe, il se passe pas vraiment ce qu'on voulait, mais finalement ça marche quand même. Retour, on revient. Je reviens, on recommence, je suis trompé. On l'a vu, hein, l'utilisation de rester appuyé sur le bouton de saut pour continuer de flotter directement après être descendu de la plateforme. Et super! Du premier coup, on peut l'applaudir. Ça, c'est pas du tout évident. Et donc là, il chope la vie, il détruit la plante piranha avec l'ennemi et il enchaîne comme ça. Et niveau réalisé à la perfection! Ça, c'est du beau jeu! Ça, c'est du beau jeu! Donc ce que vous avez pu remarquer aussi, c'est que ce que j'aime beaucoup moi dans ce Mario, ce Super Mario World, c'est qu'à chaque fin de niveau, on a un Yoshi différent en fait. On incarne jamais vraiment le même Yoshi. C'est pour ça que le jeu est assez bizarre dans le sens où on incarne Yoshi, mais pas vraiment, puisque finalement, bah, c'est pas Yoshi qui est le personnage principal, c'est quand même bébé Mario. Mais ça reste quand même Yoshi qu'on contrôle, donc dans un sens, c'est un gameplay que j'ai trouvé très très sympa moi quand je l'avais fait à l'époque. Donc là, petit setup dans la grotte, il y a toujours des niveaux de grotte hein, dans les Mario, hein, on connaît bien. Ici, les petits sauts millimétrés pour savoir où on se trouve. Là, il sait qu'il est dans l'anneau. Donc là, ces ennemis-là, ils sont assez pénibles. Les Munchers. Ces ennemis qui spawnent directement depuis hein, le ciel, hein, avec, vous voyez, ces petites sortes de pissenlits. Il l'a récupéré, parfait. Donc là, il a pu retrouver où est-ce qu'il était. Donc toutes les musiques de Mario World, hein, de ce Mario World 2 qui sont très iconiques. Ici, vous voyez tout pile la hauteur pour choper ce rebord. Voilà, là, il savait qu'il y avait un ennemi qui allait lui arriver par-dessus. Il l'a avalé avant même qu'il ne dise quoi. Il nous demande notre dû. Et on avance tout à la fin quasiment de cette section. Et donc là c'est quasiment plus qu'une formalité. On va aller se recharger en neuf quand même parce que on a la possibilité, si on peut rentrer dans des niveaux avec un full pack d'œufs, on est quand même plus tranquille. Je sais pas pourquoi je ne peux pas m'empêcher de chanter. Toutes les musiques un peu de Mario, de comme ça, c'est juste... C'est... Bah, c'est vrai, c'est vrai. Et niveau terminé. Ouh. Ah d'ailleurs c'est Super Wario 02, alors faut que je fasse ça du coup. Forcément c'est... It's Wario Day. Faut mettre la casquette à l'envers en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Ah d'accord. Désolé, j'ai pas vu. Ah oh, c'est vrai. Je m'y attendais pas. Alors là. Voilà. Donc ce niveau, plutôt, oh, voilà, au bout d'un moment ça peut pas tenir. Ce niveau est pas forcément évident, mais en allant quasiment tout droit tout le temps. Il n'y a pas trop de problèmes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah merde, je me suis trompé. C'est critique. Est-ce qu'il va trouver l'endroit? Parce que si vous voulez, ici il veut passer par-dessus le niveau. Mais je sais que je suis au-dessus du niveau, mais est-ce que je suis à droite de la plateforme qui monte et qui descend ou est-ce que je suis à gauche? Ah. Pour moi, je dirais que je suis à gauche. C'est-à-dire que si je vais tout à gauche, je tombe. Ou se prendre un plafond. Alors, au moins, on a récupéré. Voilà, par contre, on a perdu effectivement les œufs. Ça, c'est le problème quand on s'est fait toucher. Merci de me prévenir. Ah.
Bah c'est vrai que c'est la mécanique du jeu quand on perd ce personnage, si on récupère, si on repasse pas sur les listes, c'est fatal. Alors que moi le setup est un peu planté parce que forcément bah comme on est déjà passé par là. Je pense qu'on va reset le niveau. Voilà, on va reset le niveau et merci. Et on va recommencer. Sauf que là j'ai plus d'œufs, donc c'est à dire qu'il va falloir que je prenne au minimum 3 œufs en fait en allant là parce qu'il faut que je passe au dessus. C'est son setup effectivement, parce que s'il ne peut pas passer au-dessus, en fait il va devoir passer toute la section en bas. Et là il aura besoin, enfin il ne connaît pas ce passage. Donc parce qu'on n'a pas envie de le faire hein, tout simplement. Quand on peut prendre des raccourcis, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc là il sait qu'il est, il y a un bloc qui doit lui donner des œufs sûrement. C'est ce qu'il essaie de toucher. Et il sait pas où il est. Hein. C'est compliqué. Hein. Parce que c'est des backups et c'est pas du tout évident. Ah, voilà. Parfait. Là, il a ses 3 œufs, il est content. Ah non! Heureusement, quand le cycle n'est plus avec nous, c'est difficile. Ah, il était pas loin! Ah, ouais, mais oui! C'était à quelques frames de le toucher. Ouais, bah, je avant sais, que, ouais, mais le problème c'est qu'il y en a deux, donc si je m'en prends pas un, bah l'autre va suivre. C'est ça. Allez! Est-ce que tu gardes tes œufs si tu fais un. Ah, mais non, tu perds tes œufs. Non, là. Je perds mes œufs. Ah, ouais, ça c'est complexe, hein. Donc c'est pour ça il faut que je les récupère en fait. Ouais. Ah, je suis allé trop loin. Tiens, d'ailleurs ce son était exactement le même que celui de la mort dans Link to the Past. Bon bah c'était un game over, voilà, René est fini. Non, je gagne. Non, il y a quand même des sauvegardes dans le jeu, vous inquiétez pas. On va juste reprendre le niveau 4. Ouais, par contre il me faut absolument mes œufs. Parce que c'est, il y a quand même un mini boss ici. Alors hein, c'est vraiment compliqué. Bon, tu veux un check timer? Non, ça me stressait plus qu'autre chose. Non mais ça va, t'es qu'à 4 minutes de run, y'a pas de soucis. Ah merci. Attends, t'es, je crois en WR Pace actuellement. Je crois que tu peux entendre les commentaires derrière. Non mais... non mais je sais bien qu'on est à 15 là maintenant à peu près, je dirais, donc Ou 12 peut-être. Encore. Le problème c'est qu'on a que 5 PV hein, quand on revient comme ça et ouais. Ça part très très vite hein. Ça part extrêmement vite. Aïe aïe aïe. Ah désolé pour le public, mais je vais faire en sorte de... Ouais. J'attendais qu'ils t'encouragent d'eux-mêmes, hein, parce que c'est plus à moi de leur demander. Hein. C'est... Je crois que j'ai entendu Eraser qui dit qu'on veut, ils veulent pas te déranger. Est-ce qu'ils te dérangent? C'est la bonne question. Donc là on y va doucement pour être sûr de ne pas se reprendre le mur. Parce qu'on le voit en fait, il y a des faux murs. Les faux murs eux ils ont 4 3 stries au lieu de 2. Mais il est où? Un peu à droite encore. Super, là ça passe cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, c'est ça qui devait se passer. Donc en fait il a besoin impérativement de 3 œufs parce qu'il doit il doit recasser une plateforme pour redescendre après. Donc ça va quand même être essentiel.
on le voit ici, hein. Faut pas que je me foire là quand même, ce serait vraiment stupide. Super. Et donc là, il se sert de cet anneau pour savoir qu'il doit tout de suite faire droite, sinon il va dans la lave. Et c'est compliqué. Et parfait. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. Malheureusement, on n'est pas au bout de nos peines. Parce que là arrive un passage un peu plus tricky encore. Donc là voilà, on va se recharger en œuf. Voilà, donc là il sait qu'il a activé le pont. C'est ce qu'il voulait. Il faut absolument que j'ai mes 6 œufs là. J'ai mes 6 œufs. En cas de doute. Je vais être sûr. Ah bah je savais bien, j'avais un doute. Je savais bien que j'étais pas monté sur la marche et que... tant pis. Par contre là il faut absolument que je fasse pas beaucoup de morts. Ouais, parce que sinon là, donc au moins on voit, hein, il revient directement avec le setup qu'il avait avant de mourir. What? Donc là le moyen le plus safe, hein, c'est toujours de revenir à droite pour être sûr de ne pas mourir bêtement dans la lave. Du coup j'ai pas d'œuf. J'ai un œuf. Si t'as toujours, bah, t'as toujours l'œuf que t'avais avant de, ouais, c'est ça. Le checkpoint. Hein. Raté encore une fois. Et rendez-vous compte que c'est pas du tout évident, hein, ce qu'il est en train de faire. Peut-être sortir notre ami le chat, voir s'il y a un peu des réactions par rapport à tout ça. Je pense que ça doit les intriguer de savoir comment t'arrives à jouer. Donc voilà, cette fois tu as bien réussi à passer le passage. Ah! D'habitude j'ai pas de mal là, mais... Et il y a des bannes qui se perdent. Donc là on récupère l'œuf qui tombe, tout simplement. Donc il sait qu'il n'y a pas d'œuf qui tombe parce qu'il n'y a pas de son. Oula! Oh putain! Ah ça me fait... j'ai une frayeur maintenant, bravo! C'est stressant, bah oui, félicitations. Bien sûr, je suis pas sur la marche, j'ai pas l'impression. Là, on y était. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est effrayant, les amis, hein. Ah, j'ai besoin d'un peu de silence, là. 1, 2, 3, 4, 5, et... Ah! Malheureusement. Pas grave. Donc, oui, effectivement, ne reproduisez pas ça chez vous, les amis. Ceci est fait par un professionnel. Merci. Bien à vous. C'est un grand tuyau, c'est un petit tuyau. C'est un moyen tuyau. C'est un grand ou un petit? Tout ça est bien sûr soumis à subjectivité. Grand, petit, moyen. Les œufs. Donc là, faut faire juste une toute petite pression, hein, pour que l'œuf parte directement contre la petite marche qu'il appelle. Sachant qu'il y a deux façons de tirer des œufs, il y a une façon qui s'appelle hâte, dans laquelle on appuie et quand on relâche l'œuf part, mais moi je la fais en mode douce, c'est-à-dire qu'il faut que j'appuie une deuxième fois pour tirer l'œuf. Comme ça j'ai plus de contrôle. Aïe aïe aïe, cette marche là, je pensais pas qu'il y avait beaucoup des problèmes dessus quoi. Thank you.
on passe. Ce qui est assez perturbant, c'est qu'il y a en plus des ennemis qui sont 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais Et c'est ce qui est le plus dur, c'est quand on a des setups à base de temps. Ouais, le game over. Quand on a des setups à base de temps, ça devient très dur de d'être. Tu peux très me mettre constant. Un au timer, je suis à combien? 23. 23. Ah, dommage. J'allais dire, est-ce qu'on skip ce niveau ou pour présenter les autres quand même? C'est à toi de me dire, effectivement, parce que c'est vrai que c'est quand même dommage, on aurait pu voir le boss, mais avis dans le public. Parce que... Allez, 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 on va y aller, allez. Allez, on continue, on essaie encore une fois. Parce que pour skipper le niveau, hein, le seul moyen, c'est d'aller chercher une save où c'est déjà complété, hein, bien évidemment. Donc là vraiment se repérer hein, ah voilà complexe. J'ai perdu mon repère. Donc que ce soit une pièce qu'on choisit. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc que ce soit une pièce qu'on récupère, un petit indice sonore, tout ça, ça va être essentiel pour savoir où on se trouve. Donc là, on entend, il y a beaucoup de pièces. Super. On n'est pas rentré directement. C'est pas bien grave, ça passe. Voilà. Cette phase qui repasse du premier coup. Toucher direct. Quoi quand même se recharger en 9. My bad. Oh ouais, la vache. J'étais passé derrière. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Ça t'a décalé. C'est vraiment une partie complexe. Hein. Et encore, c'est... De ce que m'a dit Civelle, il peut y avoir encore pire derrière. Au niveau qui peuvent être encore plus retors. Là, c'est faut vraiment mettre ça sur le coup du stress parce que c'est vraiment pas évident du tout. Ça passe. Parfait. En fait, je suis obligé de revenir en arrière parce que parfois des œufs peuvent aller à gauche, en fait, c'est pour ça. Ok, cette fois, on a passé le pont. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas assez haut, malheureusement. Alors je pense que dans ce cas-là, on va peut-être passer, basculer sur le suivant. Malheureusement, ce ne sera pas une réponse. On va skipper sur le suivant, alors il n'y a pas de souci. Alors, sur le suivant, du coup, je vais prendre une autre save. Ce serait bête de ne pas montrer les autres, en fait. Ouais, donc dis-moi un petit peu si... là, c'est sur changer une partie. T'es sur la deuxième, t'es sur le deuxième slot. Là, t'es sur le premier. Est-ce que je suis dans 1? Là, t'es le monde 2. Là, je suis dans 1? T'es dans le monde 2. Là, t'es dans le monde 1, ok. Et donc là, tu descends. 1, 2, 3, 4. Et monde 5. Non, juste avant. Ok. Le monde 5, du coup. On n'aura pas vu la fin du monde 4. Malheureusement, il y a un petit boss sympa, le petit Obélix, qu'on ne verra pas.
Mais par contre, c'est le moment où je vous invite à... Alors là, c'est Katoun qui a trouvé cette strat. J'appuie que sur le bouton saut et le bouton gauche. Ça fait un peu les gags, tu sais, de celui qui traverse le chantier et qui se prend rien du tout. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah, c'est un peu ça, de toute façon. Hein. T'as un gars de chantier qui a carrément des lunettes de protection, mais qui voit rien du tout. Il y a tellement de poussière qu'il avance, mais il voit pas ce qu'il fait. C'est un peu ça, quoi. Bon, la strat change un petit peu quand même ici, hein. Même si pas trop. Et là, je peux boire. J'aime bien comment il est comme ça. Pour essayer de choper sa bouteille d'eau, c'est pas évident. Bah, c'est pas du tout évident de savoir où est-ce qu'il pose sa bouteille, donc ça le prend mal. Sors les mains! Il va en avoir besoin de ses mains. Ah, je me suis... C'est là-bas. J'ai raté le timing, c'est pas grave. Bon, après, c'est un auto-scroller, c'est beaucoup de temps quand même. C'est du temps, mais bon. Au moins, ça vous permet de revoir un petit peu. Si vous aviez raté... Allez, on recommence. Faudrait que je trouve des paroles, mais j'ai pas d'inspi là. Aujourd'hui là, j'ai pas d'inspi. En général, j'aime bien trouver un petit peu des... Alors qu'on a Gringue derrière qui est en train de chanter avec l'inspi. Hein. Vous pouvez le voir, il est juste là. C'est lui, c'est cet homme là. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, on a, avec cette façon de se dire que c'est un autoscroller, on va avoir une façon quand même assez amusante de vous présenter le niveau. Donc là, on se concentre un peu. Ouh là là, j'ai sauté beaucoup trop tôt. Tu t'es trompé de section, je pense. Aïe, aïe, aïe. Ah, on voit qu'il a 997 vies. Ah oui, oui, alors, bah, je vais le montrer après, pourquoi. C'est dans le niveau d'après, je crois, justement, non? C'est le niveau d'après, justement. Ouais, voilà. Alors, est-ce que je suis passé au-dessus par hasard? Tout à fait. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, là, c'est normal. Tout à l'heure, j'avais pas entendu les pièges, j'ai fait hops. Et quand ça arrive comme ça, qu'est-ce que tu peux faire pour backup? Tu peux pas vraiment. Quand t'entends que t'as pas chopé les pièces, c'est compliqué. Bon, ça ne sera jamais de cette musique, donc c'est pas bien grave si on y passe 4 heures. De toute façon, le marathon, il peut se finir mardi. Ah bah c'est bon alors. Ouais, bon allez, voilà. Comme ça, Prince of Persia sera bien une heure plus tard, c'est pas grave. En fait, faut que je reprenne le contrôle, la manette, après le solo. Après le solo qui est là, en fait. Donc là, s'il saute à répétition, c'est parce que ces petits blocs donuts se cassent si vous restez trop longtemps dessus. Une mécanique qui était implémentée dans Super Mario Bros 3. Meilleur jeu de l'univers. Sans conteste, hein, bien évidemment, puisque... On va tenter les 5 pièces. Les 5 pièces. Ouh ! Tire à l'aveugle. 5 pièces. Ici, on récupère le petit cercle de bonus. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Et même le chat est à l'aveugle, effectivement. Ah,
Oh, et le parfait shot ici pour le showcase. Et donc. Et on n'a pas eu le bonus. Pas de mini-jeu. Parfait. De mini-jeu. On gagne du temps. Parce que si on chope, si on tombe sur une fleur, on tombe sur un mini-jeu. Et ça peut être très long. Ça peut être très très long. Donc niveau 6. Quoi, ah oui, on l'a refait, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que du coup, effectivement, comme tu as déjà fini, bah tu ne repasses pas le. Oui, bah oui, bah oui. Donc là, tu vas juste mourir. Ouais, donc là, je vais juste mourir et voilà. Je vais passer. Et tu vas passer sur le niveau suivant. D'après. Donc là, fais no à droite. Oui. Voilà. Niveau 7. 6. Ah oui. Oui. C'est niveau... Parce que si s'il pense que c'est le niveau 7 et qu'il fait le niveau 6, à mon avis, dans sa tête, ça va pas être la même. Hein. Et vous l'aviez vu tout à l'heure, on y retourne, le niveau de caverne. Je me suis trompé dans mes strates. C'est pas grave, je me suis re... C'est vrai qu'il a des échasses, lui. Exactement, il a des échasses, il triche. Il y en a un en haut, il y en a peut-être deux en haut, il y en a peut-être trois en haut, il y en a peut-être quatre dans ce... Il y en avait bien trois en haut, et ils étaient pas descendus. Incroyable. Ça c'est propre. Parce que c'est en plus un niveau où on est dans une caverne et en plus on voit rien. Déjà moi j'y vois rien, hein. C'est pas pour rien que j'ai des lunettes. Mais en plus lui il y voit vraiment rien. Même s'il a des yeux sur la tête, ça compte pas, hein. C'est pas des vrais, hein. Et voilà, il est passé. Là il sait bien. Il se rassure dans son positionnement. Comment je me fais toucher et j'active un bloc en même temps? C'est bizarre ça. Il a récupéré, parfait. Va-t-il y arriver ou pas? Non, il est bloqué dans la plante piranha malheureusement. Oh! Oh là là! Incroyable. Ok. Alors, est-ce que tu vas attendre un petit peu pour récupérer ton énergie? Je vais attendre un peu. J'ai 10 étoiles. Il faut savoir que le jeu nous redonne du temps. Ça reste vraiment à la frame. Alors, du coup, est-ce que j'ai vraiment tué les deux mascas qui sont en haut? S'il y a peut-être un. Donc là je suis en bas à droite, là je suis contre le poteau à gauche, là je vais sauter, je serai un peu au-dessus du poteau, il ne faut pas que j'aille à gauche parce qu'il y a le plan piranha. Ce que je peux faire c'est que je peux tenter un saut pour être en haut à gauche, là je vais être en haut à droite, je vais tirer des coups de langue au cas où il y a des mascasses qui débarquent, je vais ressauter, ah bah info bloc, ok. Au moins tu sais où t'es. Ok, j'ai encore un 9, parce qu'il me faut au moins un 9, quoi, pour la partie suivante. Est-ce qu'il est au bon endroit? Résultat dans... Alors. Voilà. Là, il le sait, c'est bon. Ce passage avec les chauves-souris très très tricky. Les chauves-souris qui sont... extrêmement pénibles. J'ai eu un pot de bol, mais du coup... Non, je suis encore en bas. Me dites rien. Il faut rien dire, il faut rien dire. Jusqu'à ce qu'il meure. Je sentais bien, ouais. En fait, t'as failli monter avec la plateforme. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, j'ai touché la plateforme. La plateforme a dû monter sans moi ou. En fait, elle t'a arrêté sur le premier champignon possible, quoi. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, ça arrive. Parce que t'étais au dernier pixel de la plateforme ou autre. Alors, est-ce que je me souviens de ma backup à partir de l'anneau du milieu? Thank you.
Ça passe. Tranquillement pour Sivel. Il retourne dans le niveau souterrain. Je suis en haut. Voilà. Donc là, le petit œuf, en fait, c'est uniquement pour se repérer, hein, pour être sûr qu'il vient au bon endroit, parce qu'il a aucun repère audio avec avec cette cet élévateur. Oh, j'ai encore un œuf. Parfait ici. Ok, c'est bon. Et donc la fin du niveau arrive. Donc il a récupéré le one-up. Et il est parti. C'est bon. Niveau 7 du coup. Ouais. Alors là va falloir que tu fasses une petite mécanique de l'esprit pour aller jusqu'au niveau 7 plutôt, parce que tu es au 6. On va peut-être faire ce dernier niveau et puis ça dépendra de la régie. Je sais pas comment me dit la régie si on est bien ou pas niveau temps. Niveau 7, je suis niveau 7 là, ouais. Oui. L'enregistrement, oui. Niveau 7, je vais l'expédier. Je vais essayer de l'expédier comme ça au moins c'est fait. Ces musiques. Vraiment, je pense que les meilleures musiques d'un Mario 2D, franchement, ça vient de là. Hein. Donc, on va vous montrer des petits trucs sympas d'ailleurs dans ce niveau. 17, 18, 19, 19, 19, 13. Ah, je suis passé en dessous alors. Oui. J'ai pas sauté assez haut. Ça, c'est haut. D'accord. Bah, le problème de quand on voit pas, bah, on se rend compte des erreurs un peu tard. Un retardement. D'ailleurs là on a les petits ennemis qu'on aurait dû battre hein, le boss du niveau 4. C'est des petits obélix là que vous avez là. Hein, 1, 2, d'ailleurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pardon, j'ai oublié de sauter. On va foncer, on a plein de vie, c'est pas ça. Voilà, donc normalement ici juste à gauche en fait, en rebalançant l'ennemi qu'il a dans la gueule, j'ai envie de dire, parce que c'est la gueule de Yoshi, il peut récupérer plein de vies, parce que cet ennemi en fait, dès qu'il tue, il va donner des vies. Donc ce passage là, avec toutes ces... ça change la physique du jeu, hein, faut se rendre compte, c'est assez pénible. Donc là il essaie de se repérer. Hein. Ouais, il est un peu drogué là. Je vais attendre que le one-up il parte avec le petit tout. Maintenant. Parfait. On passe à la deuxième section du niveau. Qui est simple, tu peux pas mourir dans cette section. Hop là, et voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps pour faire le dernier niveau, les amis de la régie? On me dit que oui, donc oui, tu peux y aller, c'est parti. On va essayer de le first try, hein. Mais je garantis rien, on va essayer de le first try quand même, ce serait pas mal. Ok. Donc au niveau 8. Salvo de Slime's Castle. Donc c'est le château. C'est le moment du boss de ce monde 1. Eh oui, c'était effrayant, mais c'était calculé. Ne me dis pas que Mario est au-dessus. Ok. Quoi?
Elle a pas de chance. Ah, elle a pas de chance. Tu t'es fait repousser par le jet d'eau. Ouais, c'est ça. ok, bah oui. Du coup, j'ai plus d'œuf. Normalement, si tu reviens avec tes... Je crois que... oui, non, t'as plus d'œuf, effectivement. Ce qui va être un peu gênant. Ce qui va être un peu embêtant, mais on va se refill. On va se refill, donc il y aura pas de soucis, normalement. Et vous l'avez vu, hein, je vous l'avais dit, hein, c'était calculé, hein. Mais je le savais, je l'avais jamais vu. Je peux sortir. Ah, je me fais malmener là, c'est pas possible. Incroyable. Ah, par contre, il sait pas où il est, c'est ça le problème. Là, je sais où je suis. Là, mais j'ai pas d'œuf. Il me faut 2 œufs, je dirais, là, donc du coup, on va se mettre là. Et on va refill là. Très belle backup. Très très belle backup là. Ah, il sait exactement où il est maintenant. Et là, il sait qu'il a récupéré ses 10 fleurs aussi. On a toujours ce petit son là quand on récupère ses 10 points de vie. Cet ennemi là. Donc là, le petit setup de positionnement. Il se repère, hein. Là le plus dur c'est... Là c'est le pire saut. Voilà. On ne sait pas si on va arriver sur la plateforme. Dites rien surtout. Ah merde. Pardon, désolé. Où est ce bandit? Ah. Malheureusement, le petit double bonk que tu as entendu, finalement, c'était que tu avais touché et que t'es retombé derrière. Ah oui. Et du coup, t'étais au même endroit. Donc, t'as tenté ta strat. Ben, alors, bon, ouais, c'est ça. C'était 50-50 de passer pour toi, je pense. Alors, malheureusement, dans ce niveau, l'anneau du milieu, il planquait en haut. Ça me fait faire un détour et je... C'est limite aussi rapide de recommencer le niveau, en fait. Donc, De toute façon, la régie nous fera signe quand elle aura besoin de passer au jeu suivant. Il n'y a pas d'inquiétude. Ici, l'idée, c'est qu'il va encore falloir se refill, hein, se recharger, hein, en œuf. Très, très beau saut, ici. Donc, il va quand même rentrer pour récupérer des œufs. Ouais, j'ai pas le choix. Bah non. J'ai pas le choix. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. On va faire une autre version. Un vieux setup, je présume. Oups. Parce que je me suis cogné. Si je me suis cogné, c'est que... Il est pas à gauche? Bon, on va recommencer. Désolé. Hop. On va faire la version safe. Donc là, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'il faut vraiment réussir à se diriger sur toutes ces plateformes alors qu'elles sont très très petites. Là, ce qui est bien, c'est que vous voyez vraiment ce qui se passe ce coup-ci. Ah,
Oh non, je suis pas tombé. Je ne peux te dire. Non, ne me dis rien. Petit indice sonore qui... Ouais, j'ai touché quelque chose, mais... Mais quoi ? Ah ! Ok, donc ce que j'ai touché, c'est le pot de fleurs. Donc je suis encore en haut. Alors cette room elle peut être vraiment traître à cause de la plateforme qui tourne. Je l'ai avalé pour couper son cycle et normalement... Alors donc du coup j'en conclus que je suis pas en haut. A priori, j'en conclus du coup que... Ok, je suis obligé de la re-reset. Donc je dois refaire despawn la boule parce que... Je connais pas son cycle. Je vais descendre en bas, faut genre re-remonter. Ok, donc je suis en haut. On va prendre la deuxième boule, on va se mettre en position. En fait, là, on s'en fout de la direction, en fait, on va juste l'utiliser comme plateforme. Non, je suis pas encore en haut. Je suis toujours pas en haut. Non, ça m'étonnerait que je sois en haut. Ah ? Non, je suis pas en haut. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On n'est pas loin. Ah, j'ai encore glissé. Chef, j'ai glissé. Par contre, j'ai perdu la boule, littéralement. C'est donc ça, ces yeux qui partent dans tous les sens. Non, j'ai encore glissé. Ah, ce saut pourtant, il est simple, mais il est précis. Non, ça passe pas. Au moins, je perds pas la boule. À ne pas détourner de son contexte, bien évidemment. Non, je suis toujours pas en haut. Je suis toujours là en fait. Par contre, j'ai perdu la boule là. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? À vous de voir. Il reste le boss juste derrière, mais leur boss est un peu RNG donc. RNG dans le sens. La strat suffit d'aller dans le coin inférieur et de balancer des œufs et de spammer la langue. Alors dans ce cas là ce que je propose c'est qu'on ouvre les yeux et qu'on finisse au moins la fin de la run pour montrer. Je pense que ce sera la meilleure des solutions. Exactement. Ok. Donc vas-y. Finis-nous ça en beauté. Donc la strat... Wow. Alors la strat c'était bien celle là donc ce saut. Ouais, en fait, ce que tu faisais, c'est que tu faisais un saut très très haut. Ouais, je cognais, donc cognais je... que tu ne touchais pas le. Et pour savoir si je suis en haut ou pas, en fait, je faisais un saut pour entendre cet indice sonore. Voilà, ouais. Donc le boss de fin. Ah, autant terminer. Hein, genre. Et donc Kamek, hein.
tous les boss en fait sont toujours des ennemis qu'on retrouve en jeu mais qui les agrandissent. Sauf un boss où c'est Mario qui est, qui est rendu petit. Oui, c'est vrai. Mais bon. Donc c'est le slime, on l'a vu, le Slime's Castle, donc le château du Slim. Donc là on le repousse, tranquillement. Beaucoup de hits là-dessus. Ce qui est assez marrant dans ce jeu, c'est que quand vous lancez un œuf qui devient rouge, il devient plus rapide et plus puissant. Voilà, on l'a vu avant que... parce qu'il peut faire 3 rebonds avant d'éclater l'œuf. Non, toujours pas. Il doit être tout petit là maintenant, je pense. Ah, il est sur moi. Par contre, je crois que je vais avoir encore un œuf. J'ai pas de bol. Alors quand j'ai plus d'œufs, voilà, il y a un slime qui vient, et normalement, qui me permet d'avoir un œuf. Donc là, faut juste attendre, effectivement. Ouais, faut juste attendre. En espérant qu'il se barre pas à droite, en fait, parce que sinon, on y est encore pour demain. Ok. Ah, dommage. Ah, pas de bol. Voilà. Et time. Désolé pour l'over. J'ai beaucoup aimé la dernière strat où tu te passais à reculons et tu m'as fait... Incroyable. Merci Civelle. Bah merci à toi. Sans super. Transition, on va peut-être passer en intermission. Ouais. Et puis si on a un petit peu le temps de faire un débrief de cette run. Ça marche. Merci à toi. Impressionnant. J'espère que ça vous a plu le chat. Et le public. Merci. Et on se retrouve juste après. Petite intermission.